Bonjour à tous, donc je vous retrouve aujourd'hui dans ma cuisine pour une série de vidéos, en tout cas je l'espère, où je vais vous expliquer comment je m'organise au quotidien. Vous me posez beaucoup de questions sur mes petites astuces, mes petits conseils pour garder son intérieur bien rangé, pour s'organiser au mieux. Vous savez que moi l'organisation et en particulier mon intérieur, c'est un truc qui me passionne. J'aime bien que chaque objet ait sa place et puis j'aime bien rendre les choses plus simples au quotidien. Alors ça ne s'invente pas du jour au lendemain, moi c'est des astuces que j'utilise pour certaines depuis des années, et d'ailleurs j'ai eu du mal à toutes les trouver parce que il y a des choses que je fais par réflexe depuis tellement longtemps que ça me paraît évident alors que ça l'est peut-être pas pour tout le monde. Donc il y aura peut-être des grosses généralités dans cette vidéo, je me rends pas du tout compte, et à la fois il y a peut-être des gens qui sont très bordéliques, désorganisés, qui ont besoin de conseils de ce type là. Donc voilà, c'est un peu l'objectif de la vidéo du jour. Aujourd'hui je vais faire le tour de la cuisine, en tout cas de tout ce que je mets en place pour que ça soit plus simple pour faire à manger, pour stocker, pour conserver, pour ranger, pour organiser au mieux l'espace. Et dans un second, troisième temps, je ne sais pas combien de vidéos ça va prendre, je vous ferai l'organisation de la chambre, du bureau, du dressing, de l'espace buanderie, enfin voilà, je voudrais essayer de faire ça au mieux et puis de répartir ça dans plusieurs vidéos pour pas que ça dure 40 ans parce que, comme vous le savez tous, je suis extrêmement bavarde. Donc on va commencer aujourd'hui avec l'espace cuisine. Donc je vous renvoie, si vous voulez, des infos sur les matériaux, les couleurs, les choix, etc. décoratifs, je vous renvoie vers ma vidéo room tour cuisine salon salle à manger que je vous mets sur l'écran, dans laquelle je vous ai mis toutes les références. Donc si vous voulez savoir quelle est la couleur du mur, je sais pas, les différents choix qu'on a fait, etc., je vous renvoie vers cette vidéo où tout est expliqué. Et on commence tout de suite donc avec l'organisation de la cuisine. Alors on va commencer tout de suite par le cœur de l'organisation de la cuisine pour moi, c'est la liste de courses. Comment optimiser sa liste de courses, ranger ses courses, bien stocker les choses, etc. Donc une bonne liste de courses, il n'y a rien de miraculeux, il faut la faire à l'avance, il faut y penser pour une fois qu'on se retrouve dans le supermarché, qu'on n'oublie rien. Ou dans notre cas, on fait quand même pas mal de courses au drive pour ne rien oublier lorsqu'on fait la commande, puisqu'une fois qu'elle est passée, on ne peut pas revenir en arrière. Alors, les listes de courses, plusieurs options. La bonne vieille liste format papier, nous, c'est ce qui marche le mieux pour nous, puis je vais vous expliquer comment on s'y prend. Vous pouvez également opter pour des listes de courses partagées, mutualisées sur une appli style Google Keep. Alors nous, on avait essayé ça avec Quentin, et en fait, l'idée de devoir prendre son téléphone, sa tablette, pour rentrer dans une appli, pour rajouter une ligne sur la liste de courses, ça nous a pas du tout réussi. On oubliait complètement de s'en servir, donc c'était vraiment pas efficace. Ça avait un aspect assez sympa parce qu'on pouvait vraiment faire la liste de courses pour le primeur, pour le boucher, pour Picard, pour le supermarché, mais c'est pas quelque chose qui a très bien fonctionné pour nous. Donc la liste de courses papier, c'est encore ce qui marche le mieux. Je vous conseille de la garder vraiment à proximité. Donc nous ici, on a un grand casserolier. Je vous ferai des gros plans pour vous montrer. Et en fait, dans le tiroir de haut, la liste de courses est tout simplement posée dans le tiroir. Voilà, donc ce sont des listes de courses, celle-ci, je sais même pas d'où elle vient. De chez Emma, ce sont des bloc-notes avec des lignes, c'est bien pratique, et elle est toujours à portée de main avec un stylo à côté. Comme ça, il n'y a pas d'excuse en fait, quand vous pensez à mettre quelque chose sur la liste, et ben vous l'avez à portée de main, elle est devant vous. Donc il y a toujours des ratés, hein, comme tout le monde, moi je me retrouve toujours à faire toutes mes courses, et une fois que j'ai cliqué sur valider la commande, je me rends compte que j'ai oublié de racheter du sucre et que je vais être embêtée pour mes gâteaux de la semaine d'après. Mais voilà, ça c'est complètement humain, mais l'idée c'est que chacun se responsabilise. Donc si Quentin a besoin de quelque chose, qu'il veut manger, des barres de céréales pour quand il fait du sport ou autre, si c'est pas écrit sur la liste, bah moi c'est moi qui passe la commande, souvent c'est lui qui va la chercher. Si c'est pas écrit sur la liste, bah je commande pas, et on peut pas venir me reprocher derrière en me disant mais je t'avais dit, quand tu te souviens la dernière fois, je t'avais dit qu'il fallait commander ceci, cela. Bah si c'est pas sur la liste, et bah c'est pas commandé. Voilà, donc ça responsabilise un peu tout le monde et ça rend les choses un petit peu plus simples. Ensuite, si vous faites comme nous les courses sur un drive, alors je sais pas comment fonctionnent toutes les applis de drive. Nous, on passe par le drive de Carrefour. Vous pouvez vous faire des listes préétablies avec les choses que vous rachetez tout le temps. Je vous donne un exemple. Moi, je rachète toujours la même marque de crème fraîche. Je rachète toujours les mêmes œufs, la même lessive, le même papier toilette, la même farine. Voilà, ce sont des choses que je rachète toujours dans la même référence. Donc, je ne m'embête pas à taper farine pour trouver le bon paquet, la bonne farine avec le bon T45, T55. Là, c'est vachement plus simple. Et donc, j'ai une liste préformé avec les choses que je commande, alors pas forcément à chaque fois, mais où je ne change jamais de référence. Dans cette liste par exemple, je mets pas les yaourts parce que j'achète toujours des choses différentes, je mets pas de légumes, je mets pas de fruits, je mets pas, je sais pas, des pâtes fraîches, des choses comme ça, parce que ça change à les conserves aussi, parce que ça change à chaque fois que je fais les courses, mais vraiment pour les choses dont je ne change jamais de référence parce que j'y vois pas d'intérêt, je les mets dans cette liste prédéfinie. J'imagine que cette option est quand même possible dans la plupart des systèmes de drive de courses. Voilà, moi je vous parle de Carrefour, mais j'imagine que c'est tout à fait envisageable pour Leclerc ou je sais qui d'autre. Donc voilà, ça permet de gagner un petit peu de temps lorsque vous faites votre commande pour vraiment les essentiels, les choses que vous ne changez jamais.
j'ai par exemple les couches d'Inès qui sont dans cette liste aussi, comme ça, ça permet de gagner un petit peu de temps. Je garde mon téléphone avec moi parce que j'ai écrit pas mal de choses dessus, j'ai peur d'oublier de dire des trucs. J'ai écrit un sort, l'autre rentre, ça c'est quelque chose qu'on a mis en place, c'est une sorte de réflexe, d'automatisme à avoir. Dès que vous mettez quelque chose à la poubelle chez vous, il faut vous poser la question s'il faut le recommander. Par exemple, je fais un gâteau avec de la farine, j'ai toujours un paquet en cours et un paquet d'avance à côté. Une fois que je finis le paquet en cours et je le mets à la poubelle, il faut toujours se poser la question, mais vraiment c'est un réflexe de dire est-ce qu'il faut que je rachète de la farine. Donc là en l'occurrence oui, parce que j'ai toujours besoin de farine, donc il faut avoir le réflexe de le remettre sur la liste. En règle générale, on a toujours un paquet d'avance pour voilà, la farine, les pâtes, le riz. J'essaie de trouver d'autres exemples, mais il y a par exemple des choses pour lesquelles je n'ai pas de paquet d'avance, auquel cas il faut, mais pareil il y a des ratés, se dire une fois que vous arrivez sur la fin du flacon, du produit, il faut se dire là il est temps de le racheter. Par exemple le gros sel, on s'en sert pour mettre dans l'eau des pâtes, j'ai jamais deux paquets de gros sel, un en cours et un d'avance, parce qu'on s'en sert tellement peu et ça descend tellement vite qu'il n'est pas nécessaire d'avoir deux paquets. Pareil pour par exemple l'huile d'olive, on a une très grosse bouteille de 2 litres, il est selon nous pas nécessaire d'avoir 4 litres d'huile d'olive à la maison. Donc une fois que vous arrivez sur le fond de la bouteille, il faut penser à la remettre sur la liste. Voilà, ça c'est une petite chose à mettre en place, un petit réflexe à prendre au quotidien pour que ça rende les choses plus faciles. Ensuite, je voulais vous parler de la conservation des aliments. Alors, plusieurs petites choses. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui fonctionnent avec un système de boîtes en verre, en plastique, dans lesquelles elles stockent des aliments. C'est notamment la grande tendance en ce moment du batch cooking, qui est quelque chose que finalement je fais depuis pas mal de temps sans avoir vraiment édicté ce nom sur ma pratique. L'idée c'est de cuisiner les choses en grande quantité pour avoir uniquement le reste de la semaine à faire de l'assemblage. Donc vous cuisinez par exemple des brocolis, des pâtes, et puis un soir vous faites des pâtes, du brocoli, un peu de fromage, un peu de crème, et hop ça fait un gratin. Voilà à peu près l'idée. L'idée d'avoir des boîtes de stockage en verre ou en plastique, moi je trouve ça assez contraignant, on n'a pas une cuisine qui est immense et j'ai pas la place de stocker des boîtes en plus, des assiettes, des bols, etc. Donc en fait on fonctionne toujours avec un système de bols tout simple, là il n'y en a pas beaucoup parce qu'ils sont quasiment tous partis de la vaisselle, donc j'en ai de plein de tailles différentes. Et en fait ces bols, on vient les recouvrir avec des sortes de charlottes qui sont réutilisables, je vais vous montrer ça tout de suite. Les charlottes j'en ai de toutes les formes et de toutes les tailles pour convenir à toutes les tailles de bols. Ça c'est pour un tout petit bol. Ça c'est pour un bol un tout petit peu plus gros, et ce sont des sortes de toiles cirées un petit peu enduites avec des élastiques. Ça vous permet de mettre vos bols, vos plats au frigo, donc ça peut fonctionner aussi pour un saladier, etc. Pour le stocker au frigo sans avoir à utiliser du film étirable qui sera forcément jeté. Il existe aussi des sortes de tissus enduits avec de la cire d'abeille. J'ai jamais essayé donc je peux pas vous dire ce que ça donne, mais je vois beaucoup de publications à ce sujet là, donc ça doit être très efficace aussi. J'essaierai de vous mettre des références, moi ce sont des charlottes que j'ai depuis des années, que j'avais achetées sur Etsy. Et voilà, hyper pratique et ça permet de couvrir un plat. Après vous avez juste à essuyer la charlotte s'il y a éventuellement des aliments qui sont dessus avec une éponge un petit peu humide et un peu de savon et ça se nettoie tout seul. Toujours dans le domaine du réutilisable, les sachets à vrac. Ça je m'en sers de plus en plus. Jusqu'à présent je réutilisais ceux que je trouvais chez Primeur ou au marché, etc. Donc vraiment des sacs en papier craft. C'est mieux que rien, mais c'est pas idéal. Donc j'ai investi dans pas mal de petits sacs de ce style-là. Alors ça, c'est Romane de la boutique Trinquette Artisanat qui m'en avait très gentiment envoyé. Donc j'en ai plusieurs. Ça, c'est un très grand. C'est hyper pratique quand vous achetez des bananes ou autres. Et puis j'en ai des plus petits et j'en ai plein d'autres, mais je les ai pas à vous présenter parce que j'ai fait les courses pour mes parents et du coup, j'ai oublié de les récupérer. Donc ils sont partis chez mes parents. Vous pouvez également réutiliser des tote bags ou des petits sachets que vous recevez dans des commandes. Ça, c'était par exemple un petit sachet de chez un petit pochon en tissu de chez Seasonly. J'avais reçu des produits de beauté dedans et je m'en sers quand vraiment j'achète des aliments en plus petite quantité. Donc je suis pas encore la reine du vrac, j'achète pas encore les pâtes, le riz, etc. en vrac. Je voudrais y venir, mais ça m'oblige à faire des courses à plein d'endroits différents et c'est un temps que j'ai pas encore trouvé actuellement, mais voilà, j'essaye de faire mon mieux et ça se lave en machine, c'est top. Vous pouvez également réutiliser les petits tote bags en coton qu'on reçoit de plus en plus dans les commandes, etc. Je trouve que c'est hallucinant d'avoir autant de sacs en coton qui s'égarent chez nous. Et vous pouvez vous en servir justement pour les réutiliser pour le vrac quand vous achetez des fruits et légumes, par exemple. Une autre petite chose à laquelle je pense, nous on congèle énormément de choses, donc les deux placards que vous voyez en bas ici, ce sont deux congélateurs avec trois tiroirs. Voilà. Je suis la reine de la congélation. Et vraiment, je congèle plein de trucs parce que ça permet que les aliments se perdent pas, ça permet d'avoir des repas d'avance. Moi, j'emmène toujours mon repas au travail, donc c'est hyper pratique de ce côté-là. Quelque chose que je fais systématiquement, c'est lorsque je prépare par exemple un tupperware ou une boîte repas, je colle dessus une étiquette sur laquelle j'écris le contenu de la boîte. Rien ne ressemble plus à un aliment congelé qu'un autre aliment congelé. Donc si vous ouvrez la boîte et que vous essayez de deviner ce qu'il y a dedans,
ça peut être des pâtes du riz, franchement tout a la même couleur une fois que ça c'est surgelé. Donc il vous suffit d'écrire au stylo le contenu de la boîte, et moi j'écris aussi le mois donc, et l'année, mais bon là normalement vous n'êtes pas censé garder des aliments plus de 12 mois. Donc j'écris la date à laquelle le plat a été cuisiné pour m'y retrouver, parce que quand vous le mettez dans le congélateur vous vous dites ah ok, j'avais fait des lasagnes, de toute façon je m'en souviendrai. Non, vous vous en souviendrez pas et vous n'arriverez jamais à vous souvenir de la date à laquelle vous avez cuisiné ces fameuses lasagnes. Donc ça permet de ne pas perdre des aliments trop longtemps dans le congélateur et d'être obligé de les jeter quelques temps après. Puisqu'on est sur la partie congélateur, je vous montre des petites choses qu'on a et qui sont top. J'en trouve un qui se balade tout seul, ce sont des glaçons en inox réutilisables qui stockent le froid de façon très très intense. Ça vous permet de rafraîchir par exemple une boisson si vous buvez un vin par exemple que vous voulez rafraîchir et que vous voulez pas que les glaçons diluent la boisson. C'est hyper pratique, c'est pas donné, mais nous on les a depuis plus de 10 ans et ça permet de rafraîchir un liquide. Et de l'autre côté du congélateur, ce sont les glaces entre autres et aussi les bacs à glaçons. Donc je les ai achetés sur Amazon il y a vraiment des années en arrière. Ce sont des bacs avec une sorte de couvercle en plastique, je sais pas si c'est du silicone. Que vous glissez dessus, ça vous permet de mettre de l'eau et de pas avoir à les placer un peu en équilibre. Ils sont bien fermés, bien scellés, et ensuite vous avez juste à les stocker dans le congélateur. Donc vous voyez, j'ai 3 étages parce que je fais souvent soit des cafés glacés ou des choses comme ça, donc j'ai besoin d'avoir des glaçons sous la main, et ça c'est hyper pratique. Bon, on passe au tiroir d'à côté, même si je vais pas forcément faire le tour de tous les tiroirs, mais il y en a quelques-uns qui sont intéressants. Bon là j'ai une collection de pailles en papier que j'essaye d'écouler, parce que finalement maintenant je n'utilise plus que des pailles en inox, je ne sais plus où je les ai eu, peut-être Amazon aussi, et c'est toujours livré avec un petit écouvillon comme ça, donc c'est bien pratique et c'est hyper hygiénique. Ça vous permet de les réutiliser sans fin, et vraiment ça se passe hyper bien. Donc je finis mon stock de paille en papier, mais je n'en rachèterai pas. Je voulais vous parler de ces petites pinces qui viennent de chez Ikea. Ça existe en plusieurs tailles, mais vous avez de toute façon, lorsque vous les achetez, des sortes de sachets avec des panachés de taille. Ce sont des pinces qui sont très pratiques, très durables, qui vous permettent de refermer des sachets pour si vous voulez pas que le contenu sèche ou ramollisse. C'est top parce que ces pinces, elles tiennent bien dans le temps. Si vous les mettez au congélateur, ça leur pose pas de soucis. Contrairement par exemple à des élastiques en caoutchouc que je trouve vraiment très friables et qui s'abîment très très vite, donc il faut en jeter des quantités très régulièrement, c'est hyper dommage. Donc autant investir, et investir, le mot est un peu fort parce que ça coûte vraiment pas très cher pour des pinces de ce type là. Ce que j'aime bien, c'est que par rapport à des pinces à linge, parce que ça fonctionne aussi, elles sont plates, donc elles prennent un petit peu moins de place et je trouve qu'elles ferment bien. Elle ferme bien les sachets. Une autre découverte que j'ai faite récemment, c'est cet appareil. Ça coûte pas très cher, peut-être une dizaine d'euros. C'est un appareil qui sert à sceller les sachets en plastique. Par exemple, vous achetez de la brioche en tranches. C'est dans un sachet en plastique. Bon, la brioche, c'est pas encore le meilleur exemple parce que vous avez toujours un petit truc en métal pour la refermer. Mais bref, si vous voulez refermer le paquet, il vous suffit de pincer avec cette petite partie qui est ici et ça va très légèrement fondre le plastique. Donc il y a deux piles en fait qui se glissent là. Et ça vous permet de receller le sachet. J'ai pas encore trop d'avis parce que je m'en suis servi qu'une fois ou deux. D'ailleurs, c'est vendu avec cette sorte de truc pour l'accrocher, mais je vais le jeter parce que j'en ai pas besoin. Donc ça, je le stocke toujours ici. J'ai quand même toujours quelques petits sacs Ziploc, vous savez. Ziploc, c'est une marque, mais bon, bref. Des petits sachets zippables, là. Je m'en sers très très peu. Je vais les finir, mais je n'en rachèterai pas. Mais voilà, j'en ai quand même toujours quelques-uns dans mes tiroirs. Au niveau de l'organisation dans les placards, on a cette grande chance ici, vu qu'on a fait faire notre travaux, de pouvoir installer des tiroirs qui se tirent de cette façon-là. Ça permet d'accéder au fond du tiroir et c'est vraiment hyper pratique. Bon, ça sera vraiment valable que pour ceux qui pensent refaire une cuisine, mais voilà un exemple d'invention bien pensée pour vraiment pouvoir optimiser ses rangements à fond. Et vous me demandez souvent d'où viennent ces petits bacs. Ce sont des bacs en plastique que j'avais acheté chez Laurent Merlin. C'est très pratique pour refaire un petit peu de division dans les différents tiroirs. Vous voyez ici, ce sont les compotes et les yaourts de ma fille. Et comme ça tient debout, ça s'éparpille pas dans tout le tiroir. À côté, c'est le frigo. Bon, j'ai rien d'intéressant à vous montrer dedans, mais ce que je voulais vous dire, c'est que c'est quelque chose que par exemple Quentin ne savait pas, donc il m'a dit ça serait peut-être bien que t'en parles en vidéo. Lorsque vous avez un frigo avec une partie frigo et une partie congélateur, sachez que la partie qui est la plus proche du congélateur, donc ici le bas, puisque le congélateur est en dessous, est toujours plus froide que la partie haute. Donc ça vaut le coup de stocker par exemple la viande sur le bas du frigo et peut-être les fruits un petit peu plus fragiles. Par exemple en ce moment on a des fraises, je les stocke plutôt en haut du frigo. Voilà, c'est une petite astuce à laquelle il m'a fait penser. Ensuite, en termes d'accessibilité, je crois que vraiment l'idée au quotidien, c'est de se simplifier la vie et que les choses soient les plus faciles à attraper. Je vous donne l'exemple de ces placards qui sont situés en haut. Vous voyez par exemple que ce placard-là est plus facile à accéder que celui-ci qui est un petit peu dévié à cause du micro-ondes.
Donc ce qu'on a fait par exemple, c'est qu'ici on a les verres du quotidien, donc les verres pour boire de l'eau tous les jours. Petite astuce aussi, si vous pouvez trouver des modèles de verres qui s'empilent. Voilà, ça fait gagner de la place. Nous, on n'a pas un très très grand placard ici, donc on essaie de privilégier des modèles de verres qui s'empilent. Ceux-là viennent de chez Ikea, j'en ai qu'un à vous montrer, mais ils s'empilent aussi, et ça, ce sont des verres que j'ai reçus en cadeau. Ce placard-là, par exemple, est moins accessible. Donc dedans, on range des petites théières, les verres à vin, parce que donc, sans surprise, on boit plus d'eau que de vin au quotidien. Donc c'est un tout petit peu moins facile à attraper, mais ça reste tout à fait faisable. Un autre exemple avec ces deux placards qui sont vraiment situés très très haut, quand vous allez me voir vraiment les bras tendus, dites-vous bien que je fais 1m78, donc ce sont des placards qui restent quand même assez peu accessibles vu qu'ils vont tout en haut de la cuisine. L'idée là-dedans, c'est de stocker vraiment les choses que vous n'utilisez pas tous les jours. Donc ici, j'ai par exemple l'appareil à gaufres, des tupperwares, des choses pour cuisiner. Et ce qui est sur l'étagère du bas est un tout petit peu plus facile en termes d'accès, donc le lait, la yaourtière, tout ça. Ce sont des choses dont je me sers un petit peu plus souvent. Une autre petite astuce aussi, si vous manquez un petit peu de place, ou si en tout cas vous voulez optimiser au mieux la place, nous quand on a emménagé ici, on a investi dans toute une nouvelle batterie de casseroles, poêles, etc. Les nôtres étaient très anciennes, on les avait depuis quasiment le moment où on avait emménagé, donc le revêtement au fond des casseroles était un petit peu abîmé, ce qui est vraiment dangereux pour la santé, donc on s'est séparé pas mal de choses et on a tout racheté. La grande chance, c'est que pas très loin de là où j'habite, à Annecy, on a l'usine Tefal, donc on a pas mal de déstockage, de casseroles et tout, à des prix hyper intéressants. Donc on a pu refaire toute une batterie de casseroles pour pas très cher. On a investi dans le système qui, je crois, s'appelle Ingenio. Et je suis pas très sûre, donc j'espère que je comprends pas autre chose de chez Tefal. Le principe, en fait, c'est que les poêles et les casseroles n'ont pas de poignée et vous avez à côté des poignées qui sont amovibles, qui se présentent comme ça. C'est hyper simple à clipser. Bon là, forcément, elles sont empilées, donc c'est pas pratique. Mais il vous suffit de mettre le manche de la casserole sur le côté, de clipser, et voilà, ça fonctionne hyper bien. Et pour le libérer, vous appuyez sur les deux boutons sur le côté, et ça se libère. C'est hyper simple parce que ça rend le nettoyage déjà plus facile, ça prend mille fois moins de place, vous n'avez pas toutes les queues de casserole qui se baladent dans le tiroir. Vous pouvez acheter autant de poignées que vous voulez, donc nous, vu qu'on a 4 feux, bah, on a pris 4 poignées, comme ça on est sûr d'en avoir toujours assez. Alors, c'est pas complètement parfait parce qu'une fois que la poignée est en place, vous pouvez par exemple pas complètement poser un couvercle sur la casserole, donc il suffit de retirer la poignée au moment où vous cuisinez. Voilà, c'est un petit défaut auquel je pense. En revanche, en termes de stockage, ça nous a fait gagner une place assez incroyable. Et on a juste gardé la crêpière avec le manche qui était accroché parce qu'on l'a depuis longtemps, mais elle est en excellent état puisqu'on s'en sert pas aussi souvent que le reste. Et on va terminer cette vidéo avec la partie entretien. Alors, je voulais pas vous parler de produits. En particulier parce que je suis en train un petit peu de changer les produits d'entretien pour la maison pour passer sur des choses plus clean, mais j'ai pas encore vraiment d'avis définitif et j'ai pas vraiment de référence à vous conseiller, donc je vais plutôt vous parler de matériel. L'idée pour moi pour les produits d'entretien, c'est d'avoir une partie ici dans la cuisine et une partie côté sanitaire pour éviter de balader les bidons vraiment des deux côtés. Ça, c'est envisageable si vous avez la place, bien sûr, pour tout stocker, mais c'est vrai que c'est plus simple et je trouve aussi que ça donne plus envie de faire le ménage si vous avez tout à proximité. Et vous n'avez pas besoin de balader le produit nettoyant dans tout l'appartement. Côté entretien de la maison, il y a quand même deux choses pour nous qui fonctionnent hyper bien, qu'on utilise depuis pas mal de temps maintenant, enfin surtout l'une. Tout d'abord les petits chiffons microfibres, ça se trouve en grande surface. Enfin, je suis quasiment sûre d'en avoir vu en grande surface il n'y a pas longtemps. Nous on a les nôtres depuis, mais ça doit faire 10 ans, mais mes parents se servent de ça depuis très longtemps, donc j'ai vraiment eu l'habitude de voir ça chez moi. J'en ai d'ailleurs qui sont troués, donc il faudrait peut-être que j'en rachète. Ça coûte pas très cher et de toute façon ça a une durée de vie qui est incroyable, ça passe en machine à 60 degrés. Je m'en sers pour tout, très légèrement humidifié pour faire les surfaces. Vous m'avez déjà demandé aussi comment j'entretiens les portes de placard qui sont d'un blanc un petit peu mat. Bah avec ça, très légèrement humidifié, ça se passe hyper bien. Je m'en sers pour nettoyer la table, pour faire briller un petit peu les robinetteries. Enfin voilà, j'en ai, je sais pas, je dois en avoir une dizaine et elles passent à la machine toutes les semaines sans aucun problème. Ça finit un peu par s'abîmer, mais vraiment après une bonne dizaine d'années. Ensuite, les éponges réutilisables. Alors, c'est pas parfait. Moi, j'aurais souhaité vraiment m'en servir pour tout, pour la maison, y compris pour la vaisselle. Pour la vaisselle, on n'y arrive pas. C'est surtout Quentin, d'ailleurs, qui fait la vaisselle. C'est même uniquement Quentin qui s'occupe de la vaisselle. Je ne m'occupe jamais de la vaisselle, ni du lave-vaisselle, vider les assiettes, etc. Mais il n'en est pas très convaincu, et c'est vrai que moi non plus. Pour la vaisselle, on est resté sur un système d'éponge jetable, mais on a quand même réussi à faire des efforts pour toutes les éponges pour nettoyer la salle de bain, la robinetterie, les sanitaires, etc. et la cuisine. Donc ça s'achète par lot aussi, je crois que j'avais eu les miennes sur Amazon. Elles finissent un petit peu par se tacher avec le temps,
Si vous nettoyez des choses un petit peu sales, il y en a une par exemple qui est dédiée au barbecue à l'extérieur parce qu'elle est vraiment devenue noire et on n'arrive pas à la ravoir. Mais là, ça devait être des traces de graisse aussi de cuisine que j'ai pas forcément réussi à ravoir. On va dire que ce sont des taches propres. On dit souvent ça à l'hôpital quand les draps sont tachés, mais ils sont visuellement tachés, mais ils sont en réalité propres. On va dire que c'est pareil pour les éponges. Donc vous avez un côté lisse qui fonctionne très bien, ça manque un tout petit peu de souplesse mais ça s'assouplit quand même un petit peu au fil des lavages. Et de l'autre côté vous avez une texture qui gratte un petit peu, qui gratte pas autant qu'une éponge récurrente comme celle que je viens de vous montrer. Mais ça fonctionne quand même très bien pour voilà, nettoyer une salle de bain ou une cuisine. Donc voilà, ça s'achète par lot et ça se réutilise quasiment à l'infini, donc ça c'est top. Seul petit bémol pour la vaisselle, je trouve que c'est pas hyper bien. Parce que ça ne gratte pas autant, finalement on a beaucoup de graisse donc c'est un peu difficile à ravoir à la machine. Donc voilà, on est resté sur un système d'éponge classique pour la vaisselle. À nouveau, si vous faites des travaux pour votre cuisine, des petites choses qui fonctionnent bien chez nous, qu'on est hyper content d'avoir mis en place. Tout d'abord un robinet pour l'évier avec une douchette qui bouge, donc ça permet de vraiment nettoyer hyper facilement un plat, quelque chose avec beaucoup de recoins ou idem pour nettoyer vraiment l'évier. Et ensuite vous avez un double jet, donc vous avez un jet vraiment normal. Et si j'appuie sur le bouton, vous allez voir, je coupe l'eau sinon vous n'allez pas m'entendre, vous avez un jet un peu version douchette qui a un petit peu plus de puissance et qui peut permettre de nettoyer par exemple les recoins d'un plat un peu compliqué à nettoyer ou d'un ustensile. Je prends pour exemple mon blender, je viens de me faire un café glacé qui est d'ailleurs en train de m'attendre, et vous avez une lame qui est un petit peu compliquée à nettoyer avec une éponge, et bien avec ce jet en fait vous arrivez à répartir l'eau de façon un peu plus puissante dans tout l'appareil, c'est plus simple pour nettoyer. Voilà, ça coûte bien évidemment plus cher qu'un robinet classique, mais c'est pas la ruine non plus, et c'est très très pratique dans une cuisine. Ensuite ici on a un meuble en tout niquet, bon ça je crois que ça commence à être un petit peu démocratisé, mais ça permet de vraiment optimiser la place même dans les angles d'une cuisine. Donc c'est sur deux étages et on peut vraiment le tirer complètement jusqu'au bout. Donc ça fait gagner beaucoup beaucoup de place, et mais je pense que c'est quand même quelque chose qui se fait de plus en plus dans les cuisines actuelles. Une autre petite chose à laquelle je pense pendant que j'y suis, ça ce sont les fameux épiciers que je vous avais présentés dans ma vidéo. Hyper pratique pour ranger les bouteilles d'huile, de vinaigre, etc. Et on a fait ajouter deux tiroirs, donc dans le premier, bon ça c'est très personnel, mais je range tout mon stock de thé, et dans celui du dessous on stocke le pain. Bon là actuellement il n'y en a pas, ça permet de pas avoir une boîte à pain qui traîne et d'avoir des miettes un petit peu partout. Le pain on le met ici, comme ça il reste au sec, à l'abri de la lumière, etc. Et ça permet qu'il rassise pas trop, et surtout d'un point de vue hygiène, comme ça il est tranquille dans sa petite panière et tout se passe bien. Et voilà pour cette vidéo où je vous ai présenté vraiment toutes mes petites astuces pour optimiser au mieux votre cuisine et pour vous organiser un maximum. C'était un petit peu compliqué à filmer parce que j'ai trouvé que c'était hyper décousu et j'ai peut-être eu un peu de mal à structurer complètement ma pensée, mais peu importe, je crois que les idées sont là. Donc n'hésitez pas vous aussi à partager vos astuces, vos bons plans dans les commentaires pour s'organiser au mieux pour les courses, pour la vie du quotidien. Et du coup, je vous donne rendez-vous dans de prochaines éditions pour vous montrer, comme je vous disais, l'organisation de la chambre, de la buanderie, etc. J'espère sincèrement que ce nouveau format vous plaît, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.